Maar dan moet je proberen om in die periode af te sluiten en opnieuw te beginnen. Onze jongens hebben dat heel goed gedaan. We hebben 3 dagen getraind op bepaalde zaken, zowel in balbezit als in balverlies. Ik vond dat die jongens dat heel goed tot uitstekend deden vandaag. Ze mogen heel trots zijn dat ze hier op Anderlecht een punt komen halen. Dat is niet alle jaren dat Lokeren hier een punt komt halen. Ik weet ook nog als speler van Lokeren dat wij niet vaak iets konden meenemen naar huis. Dus dikke proficiat aan de spelers. Die hebben dat gerealiseerd. Het staf daar rond, we hebben gewoon hun geprobeerd om een kapstok te geven in de voorbije 3 dagen. En een beetje een bepaalde regels wil ik dat niet noemen, maar bepaalde kapstokken waar dat ze op terug konden vallen. En dan het onwaarschijnlijke scenario dat Olly weer geschrapt wordt? Ja, ik zei het ook tegen Olly en tegen de jongens in de kleedkamer. Hij is hier natuurlijk zoveel jaren geweest en is echt een ongelooflijke carrière. Ik heb ook altijd heel veel respect voor Olly gehad, gewoon als speler, ook als ik speler was. Want het is hier niet altijd even gemakkelijk geweest voor hem. En altijd heeft hij teruggevochten. Het stond ergens in de sterren geschreven. Hè. Dat bewijst denk ik wel dat toeval niet bestaat. Het is natuurlijk wel jammer voor Anderlecht, maar voor Olly is het een ongelooflijke mooie dag, denk ik. Hoe dat het publiek hier hem onthaald heeft, dat is iets fenomenaal. Dat gaat je niet veel zien. Het zijn echte clubmensen en jullie mogen dat wel weten. Onze spelersgroep heeft Olly ook een hele luide en dikke applaus gegeven in de kleedkamer na de wedstrijd. Want het is niet gemakkelijk geweest voor hem de voorbije 2 dagen. En als het dan zo mag afsluiten, zijn trip naar Anderlecht, fantastisch. Ik heb het rond maandag voor de eerste keer gezien. Toen was er een mondeling akkoord. Heb ik een klein beetje mijn plannen gewoon uitgestippeld en uitgelegd aan Tronto dat ik dat zag voor de komende dagen. Want ik had een opdracht zaterdagavond gekregen van onze voorzitter om eventjes over te nemen. En Tronto was daar redelijk van overtuigd dat dat de juiste manier was. Dit is ook wel een beetje het systeem van Tront. Dus een 4-1-4-1 of een 4-3-3 met de punt naar achter. Dus hij was snel overtuigd dat dit zou misschien wel kunnen lukken tegen het 3-4-3 van Anderlecht en van Heijn. En dan hebben wij maandag, dinsdag, woensdag telkens een gesprek gehad na de trainingen. Dus alles is gebeurd in overleg met Tront. Vanaf morgen staat hij op het veld. Mag ik terug in mijn kotten kunnen? Was dat moeilijk voor jou om geproefd te hebben om eigenlijk zo'n succes ervan? Nee, absoluut niet. Voor mij was dit eigenlijk wel heel. Ik heb daar alleen maar van genoten. Weet je, dit is natuurlijk ook niet echt. Hè. Als je echt hoofdtrainer bent, dan staat je met een druk alle dagen. Dan staat je met een druk misschien voor maanden. Als je dan in een degradatiestrijd terechtkomt, dan zou ik hier staan waarschijnlijk met knikkerende knieën. Maar ik heb die kans nu gekregen om hoofdtrainer te mogen zijn voor 4 dagen. En ja, als speler kon ik me ook geen betere plaatsen wensen om te voetballen dan Anderlecht en Club Brugge en Genk en die plaatsen. En nu als trainer, ja, het is toch fantastisch als je hier, al is het maar voor 1 keer, mag staan. Hè. Dus dat is voor mij weer al een als trainer. Dus ik heb alleen maar genoten. Ik wist dat ik ontslagen ging worden als T1 na de wedstrijd. Dus, Nog vragen voor meneer Vidarsson? Plus de question. Vos questions pour Hein van Azenbroek. Uw vragen voor Hein van Azenbroek? Ook niet? Vous venez juste de jouer un match, une première mi-temps totalement inacceptable à Eupen. Vous réagissez bien dans la deuxième mi-temps à Eupen, mais vous n'arrivez plus à redresser le score. Donc là, vous dites à tout le monde, voilà, on a fait des erreurs, on s'est tiré dans les pieds, il faut que ça n'arrive plus.
refermé. Et tu commences de nouveau le match tu perds tous les duels. Eux, ils sont venus comme si leur vie en dépendait. Et nous, on n'était pas prêts du tout. Les premières minutes, l'Ukraine était meilleure que nous. Je leur avais dit que l'Ukraine allait mettre la pression sur nous. Parce que maintenant, si Eupen l'a fait, tout le monde va le faire. Donc, ils étaient préparés. Dans le système de 30, ce que Vidarsson a expliqué, ils essayent de mettre à deux milieux le pressing sur nos deux milieux. Mais ça veut dire que dans le dos des deux milieux, il y a beaucoup d'espace qui tombe. Mais là, on n'a pas du tout employé cet espace. On ne l'a pas trouvé. On n'est pas venu dans cet espace. Et on n'a pas joué des ballons dans cet espace. Parce que si tu ne trouves pas les joueurs qui décrochent à côté d'Overmer, ben là, ça devient difficile. J'ai de l'expérience avec le système. Je sais que ça arrivait avant aussi qu'on essaye de sortir mes deux milieux défensifs. Mais à ce moment-là, il y a des joueurs qui viennent dans les intervalles et qui font la différence là-bas. Ce qui oblige l'adversaire à faire reculer leur milieu et ce qui donne à ce moment-là plus de liberté à vos joueurs importants. Mais on n'a jamais réussi à trouver cet espace-là. C'est étonnant parce qu'on y travaille tellement souvent. Mais voilà, ça c'était le grand problème aujourd'hui. Deuxième grand problème, au moment qu'il y a des ouvertures, parce que sur les flancs, on a parti régulièrement dans la profondeur où il y avait énormément d'espace, à ce moment-là, on n'ose pas jouer le ballon. On remet le ballon latéral et on donne la responsabilité à un autre parce qu'on a peur de jouer ce ballon décisif avec un peu de risque. Peut-être, et c'est vrai, quand tu le rates, tu auras une réaction du public. Mais voilà, on est des joueurs dans des lettres, hein, les gars. Si on ne peut pas gérer une fois qu'on siffle, ben là, il faut se poser des questions. Hein. Et si tu donnes toujours la responsabilité à un autre, tu joues latéral, en arrière, ben là, à ce moment-là, l'Ukraine peut toujours fermer les espaces. Hein. Ce qu'ils ont fait, hein, ils ont couru comme des fous, mais il y avait des ouvertures. Et combien de fois j'ai vu qu'un joueur ne met pas le ballon où il doit le jouer parce qu'il a peut-être peur qu'il ne sera pas parfait. Ben là, de cette façon-là, ça n'avance pas. Là, tu ne crées pas assez de danger. Tu ne profites pas des ouvertures qui tombent. Parce que quand l'Ukraine prend le risque à faire du pressing plus haut, tu sais qu'il y a des ouvertures qui vont tomber là, plus bas. Ce qui est idéal pour nous. Mais on n'en a pas profité. Et voilà. C'est dommage. Bah peur, c'est un grand mot. Hein. Je dis pas peur, hein. C'est simplement pas prendre l'initiative pour jouer des ballons décisifs. Je crois que celui qui était là avant le match, il n'a fait dans sa carrière que donner des ballons décisifs. Hein. Il en a raté aussi. Hein. Mais si tu en mets 3-4 bons, les gens sont ravis. Hein. Et si tu en rates, alors après 3-4, tu n'as personne qui va réagir. Hein. Mais si tu n'oses pas les mettre, voilà. Ça, on en a besoin, des joueurs qui n'hésitent pas, qui mettent les ballons dès qu'ils voient qu'il y a une ouverture, qu'ils essayent de trouver et de jouer cette ouverture. Et même si le ballon, il est mauvais, ben, il est mauvais, voilà, on continue. Vous avez une équipe malade ? Ben non, ouais, mais ok, normalement, j'allais mettre Najjar derrière, parce que Najjar, en possession de balle, il sait quand même ajouter quelque chose à la construction. Hier, il a dû sortir avec une gêne dans le haut des ischios. Donc voilà, c'était. Mais voilà, je donne l'exemple de Borno. Borno a été remplacé la semaine passée. Il n'a pas fait son meilleur match. Autobut, beaucoup de commentaires sur lui. Finalement, je l'ai remis. Et le garçon, 19 ans, il a tout de suite pris de l'initiative. Il a mis des ballons à gauche, des ballons à droite. Défensivement, jamais en problème. Il a joué son match. Il amène le but avec un superbe diagonale pour Alexis. Ben là, c'est des joueurs que j'aime. Voilà. Même s'ils sont donc 19 ans, ça, c'est des joueurs que j'aime. Qui peuvent... Parce que Borno, il a été deux jours avec la tête dans le sol. Hein, mais dans le sol. Hein, vraiment, hein, on a dû lui parler. Tellement il était... touché par ce qui s'est arrivé là-bas, par son mauvais match là-bas. Ben là, je vous dis, ça c'est des vrais. Ça c'est des vrais. Si tu es touché par ton match, ton mauvais match que tu as fait pour la première fois qu'il a fait un mauvais match,
Ça, c'est des vrais joueurs. Ça, c'est des joueurs qui vont réussir dans leur carrière. Mais si un joueur fait un mauvais match, finalement, il sort, il a déjà oublié qu'il a fait un mauvais match, ça ne marche pas. Il faut, quand tu es joueur d'Anderlecht, chaque fois, tu dois être là. Chaque fois, tu dois être présent. Et ça ne suffit pas d'être une fois l'homme décisif ou une fois avoir fait une action importante. Chaque fois, tu dois essayer de le refaire, d'être présent de nouveau. Et ça, c'était loin d'être le cas aujourd'hui, vraiment. Et je ne parle pas d'un joueur. Hein. Il y en avait beaucoup trop qui n'ont pas obtenu leur niveau, qui devraient montrer. Et au moins, on peut se bagarrer, on peut travailler, on peut donner tout ce qu'on a, même si ça ne marche pas, ça ne réussit pas. On peut tout donner. Il y en a qui ont tout donné aujourd'hui, même s'ils ne jouaient pas leur meilleur match. Mais finalement, je dis, c'est une déception. Je crois que je suis encore plus déçu que le public. Hein. Parce que j'ai protégé le groupe après Saint-Tron. Je trouvais qu'après Saint-Tron, le public était très, très négatif vis-à-vis de nous. Parce qu'on avait été dans le box quand même tout le match presque. On a eu des occasions, des corners, des centres en nombre. Ben aujourd'hui, je peux comprendre complètement le public. Parce que ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est vraiment... C'est loin, 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 loin d'être assez. Ik heb daar juist een voorbeeld gegeven, hè, van Borno. Ja? Ik verkies die mannen die in de put zitten, omdat ze iets, maar die dan wel recht kruipen uiteraard. Hè. En er zijn er anderen die daarin veel makkelijker mee omgaan. Hè. Dat is, als je dan reageert, oké, als je die nederlaag eigenlijk niet zwaar opneemt, dat hoeft ook niet voor mij. Hè. Maar je moet dan wel zorgen dat je de volgende match echt scherp, scherp, scherp staat. Hè. En dat was bij velen niet het geval. Dus, c'est pas seulement un problème de mentalité. Hein. Je crois que si on trouve mieux les espaces pour jouer, déjà le jeu va s'améliorer. Hein. C'est là qu'on doit travailler d'abord. Hein. Il faut donner aux défenseurs, si les milieux, si on sort nos milieux, il faut donner aux défenseurs des espaces pour jouer. Et ça, c'est le rôle des joueurs offensifs. Ils doivent beaucoup mieux bouger, trouver. Et ça aussi, ils parlent de... Où est le capstock en France? Un capstock? Oui, mais ce n'est pas la bonne traduction. Non? Le capstock in the game, c'est dans une équipe, c'est les tours, des trucs que tu leur donnes pour. Ben, ils les ont aussi chez nous. Hein. Ils savent, on fait que ça, des exercices comme ça. Trouve cet espace-là, joue ce ballon-là, viens à ce moment-là. Si toi tu viens, le défenseur vient avec toi, l'espace est là. Ils le savent tous, mais ils ne le font pas. Pas tout le monde, hein? Je ne vais pas parler de ça. Hein. On est à Anderlecht. Hein. Je sais. Vous avez 100% raison. 100% raison. Je suis en train de protéger certains joueurs et je ne vais plus le faire. Je dois le faire. Je dois changer beaucoup plus vite. C'est ce que je vais faire dans le futur. J'essaie de garder certains joueurs sur le terrain parce que j'espère encore que même s'ils ne sont pas dans le match, peut-être ils vont pouvoir encore faire quelque chose, mais c'est pas la bonne manière. Je le sens semaine après semaine. Maintenant, on va mettre la barre beaucoup plus haut. Celui qui ne fait pas, qui n'obtient pas son niveau dans les premiers, la première mi-temps, la première heure, on va le changer, qui que ce soit. Même ça. Si les joueurs ne font pas ce qu'ils doivent faire, ben là, je vais mettre, si c'est nécessaire, je vais mettre des jeunes supplémentaires sur le terrain. Je sais qu'ils vont aller à fond, eux. Qu'ils vont essayer de se battre pour être dans l'équipe, rester dans l'équipe. Amoujou était sur le banc aujourd'hui. Ben, honnêtement, il ne méritait pas d'être sur le banc. On a fait des choix. Amoujou a joué à Eupen en première mi-temps. C'était le plus dangereux. Je me rappelle le match à Trnava où, en première mi-temps, il était le plus dangereux aussi. Donc, voilà. C'est dommage qu'un joueur comme lui, alors... Je ne dis pas qu'Amoujou fait déjà la différence. Hein. Là, il doit encore progresser. Mais c'est dommage que le joueur doit rester sur le banc pour d'autres joueurs qui ne vont pas à fond. Hein. Et là, c'est ce que je vais changer. Ça, c'est sûr et certain. On peut pas continuer de cette façon-là en disant, ouais, donne un peu de respit à des joueurs qui ont peut-être, il y a 3 semaines, fait la différence. Non, c'est...
Pour le moment, on n'a pas cette cette situation idéale, günstige situation, pour dire bah ok, ça va, on va. Non, pour le moment, on est dans une situation difficile, donc tout le monde doit se donner à fond. Et si c'est pas le cas, il faut mettre les autres, il faut donner la possibilité aux autres qui sont peut-être qui ont faim pour se montrer et voilà. L'Ukraine a mis d'autres joueurs, hein, ils ont changé d'entraîneur, ils ont mis des joueurs qui n'ont plus joué les dernières semaines. Ben, tu voyais qu'ils avaient tous faim pour montrer à leur nouvel entraîneur qu'ils étaient, que c'était encore des joueurs importants, hein, donc. Uiteraard. Uiteraard wijst men naar de coach. Van mij geen enkel probleem. Hè. Ik hoor bij de groep. Hè. Als wij als groep niet genoeg niveau halen, dan is dat mijn verantwoordelijkheid ook. Hè. Dus het is aan mij om oplossingen te zoeken. Het is aan mij om te zorgen dat wat wij weten, dat er wel uitkomt. En dat we wel die ruimtes beter gaan bespelen. Dat we wel die oplossingen gaan vinden. Dat is aan mij om daaraan te werken. Dat is een leuke vraag. Hè? Het is niet makkelijk om het voor u subtiel. Pieter-Jan Kalkoen en subtiel, dat gaat niet echt samen, denk ik. Nee, maar je hebt niet het gevoel dat. Nee, dat gevoel. Nee, dat heb ik niet. Nee. Ça a marché dans certains matchs. Contre Fenerbahçe, ça marchait. Pendant une heure, c'était bien. On a trouvé les espaces. À Eupen, OK, on a dû changer parce qu'il y avait des joueurs qui manquaient à Eupen. Donc, on a dû reformer un peu la partie offensive. Mais maintenant, on a récupéré quand même les joueurs qui le faisaient bien il y a quelques semaines. On va continuer à travailler là-dessus. Hein. On va continuer à travailler. Même si on n'a que 2 jours avant le match de Beveren, c'est très court. Mais même ça, on aura le temps, pas demain, mais après-demain, pour remettre un peu les points sur les i, sur certains points. Hein. Et si les joueurs ne sont pas prêts, ben, des autres choix, c'est clair. Je crois qu'il va devoir être opéré assez vite. Donc, je crois que là, on a un problème, c'est clair. Maar ik noem dat niet ironisch. Hè. Olivier is gewoon iemand die op stilstaande fasen, zeker tegen mij, al een paar keer is gescoord. Heeft destijds tegen Kortrijk, heeft hij ze denk ik 1 of 2 keer gered in de laatste minuut. Hij maakt niet veel goals, maar het is nogal vaak tegen mij dat hem scoort. Dus dat is niet ironisch. Hè. We weten dat Olly kan scoren op een stilstaande fase. Dus voilà, we hebben hem gewoon te veel vrijheid gegeven. Dat is de ironie in heel de zaak, is dat zij eigenlijk op 2 afstandsshots na geen enkele kans krijgen. We krijgen 2 corners, denk ik, en toch krijgen we weer een doelpunt tegen. Dat is de ironie. Je hebt een wedstrijd, een moeilijke wedstrijd, tegen een team dat vooral georganiseerd speelt op zijn eigen helft, die heel weinig naar de andere kant komt, en toch pak je weer een doelpunt. Dus het was even geleden dat we op stilstaande fase, alhoewel op zoete waardigheid in de laatste minuut ook weer. Maar dit zijn gewoon zaken die er gewoon uit moeten. Hè. Maar oké, ja. Het is altijd iemand anders. Hè. Nu was het weer iemand anders die zijn duel verliest. Het is altijd iemand anders. Dus je kunt nooit, tu peux jamais dire que c'est le même. C'est toujours un autre. Mais toujours un autre. Et voilà. Tu peux pas tirer sur ouais, c'est lui qui fait la faute alors. Parce que, mais ok, on doit tout, quand même le faire. C'est des choses qui doivent sortir de notre jeu. Et si aujourd'hui tu gardes les 0, ben, tu gagnes le match. Même si le match il était vraiment mauvais, tu aurais pris 3 points, ce qui aurait été une soulagement. Ja, sowieso. Dat was eigenlijk al de perceptie voor 1 september. Ja. Ja. Afhankelijk van wie. Als die zijn die we wilden halen, ja. Oké. Dank u wel. Merci.